Le week-end du 16 et 17 mai se tenait à Doulan dans la Somme le National VTT. Cette compétition organisée par l'UFOLEP comprenait Union Française des œuvres laïques d'éducation physique et le Racing Club de Doulan permettait à 900 vététistes venus de toute la France de se rassembler pour décrocher un titre national. C'est autour de la citadelle de Doulan que le parcours long de 8 km avait été tracé, un cadre exceptionnel pour ce sport de nature. Très attaché aux valeurs d'éco-citoyenneté et de développement durable, l'UFOLEP avait fait de cette manifestation une cible privilégiée pour rendre une nature propre, car habituellement, sur ce site de Doulan, 100 kg de bouteilles de verre et de canettes sont retirées chaque semaine. On a travaillé aussi beaucoup avec le Conseil Général de la Somme, c'est-à-dire que quelque part, l'UFOLEP ayant développé beaucoup de choses autour du développement durable, l'UFOLEP s'est mis avec le Conseil Général de la Somme, et là on est en train de tester, et cette manifestation est un des tests, 6 manifestations qui devront essayer d'être exemplaires, on n'arrivera pas à être exemplaires, mais essayer d'arriver à être exemplaires par rapport au développement durable pour pouvoir après faire un référentiel qui sera donné à tous les organisateurs de manifestations pour leur demander d'aller vers ce développement durable, quoi, qui semble important à mettre en place le plus rapidement possible. On sait tous ce qui nous entoure actuellement, et donc on est tous, les citoyens, dans le sport, mais ailleurs, à devoir faire quelque chose très rapidement pour éviter qu'on ait des problèmes dans les années qui viennent et que les générations futures puissent vivre sur une planète qui correspond à ce que nous connaissons actuellement. Pour arriver à ces fins, 2 chartes avaient été établies par l'UFOLEP. Une pour les nombreux spectateurs présents et une bien sûr pour les vététistes âgés de 13 à plus de 50 ans. La charte, on a reçu donc un document dans notre filet et c'est marqué de ne pas acheter de papier pour le VTT, faire du VTT propre. Donc pas acheter de détritus dans la nature. Donc quand on se ravitaille, on met nos papiers dans nos poches et puis voilà. Il fallait acheter un gobelet, il y avait une caution dessus dès qu'on rendait le gobelet. On nous redonnait l'euro qu'on avait donné de caution et ça évitait d'avoir des gobelets partout. Côté sport, il fallait composer avec un terrain glissant et faire cohabiter sur un même parcours les VTT de la catégorie adulte masculin, 17-18 ans, et les tandems masculins et mixtes. Chez les 17-18 ans, justement, c'est Romain Bachelet qui s'impose. Du club d'Abbeville, le néo-champion national remporte là sa plus belle victoire, ce qui procure l'émotion de ses proches. Je suis de la région, peut-être je me suis beaucoup entraîné sur le circuit et j'accélère dans une partie technique où il fallait vraiment connaître bien les virages et tout. Et c'est là que j'ai fait le trou. Pour les tandems, le trou s'est fait aussi rapidement. Le duo Lagarde-Prochon a ensuite géré parfaitement pour conquérir un 3e titre national consécutif. On avait un petit peu de pression, il y avait plus de monde que d'habitude et apparemment il y avait les gars du coin là qui étaient apparemment de la Somme balèze, ouais. Donc ils nous ont mis un petit peu la pression au départ, mais c'est qu'ils se sont mis aussi à eux tout seuls. Donc ils ont fait des erreurs, nous aussi un petit peu, mais on a pris le devant et après apparemment ils étaient au taquet derrière nous, parce qu'ils n'ont jamais revenu. Donc le temps qu'ils ont perdu, c'était le temps de perdu. 50 départements étaient représentés lors du National VTT. Et dans la course adulte masculin à 19-29 ans, ils étaient plus de 100 à s'élancer. Comme en moto, le départ se fait en ligne. 4 tours sont à parcourir, soit 32 km. Le spectacle se situe dans les ascensions, mais surtout dans les descentes, où les vététistes font étalage de leur technique. Et à ce petit jeu, c'est Julien Serville qui a été le plus fort, ou plutôt le plus malin. Déjà, j'ai le numéro 49, donc il a fallu que je remonte assez fort d'entrée de jeu au premier tour. Et après, on était deux avec un gars du Loiret. On a fait 3 tours ensemble, et à l'entame du dernier tour, dans une ligne droite, il me suivait, il est tombé. Donc j'ai profité de l'occasion pour partir, quoi. Ce week-end se clôturait avec la course des 30-39 ans qui devait subir les mêmes difficultés que les autres vététistes, à savoir cette petite montée en 2 paliers où beaucoup posent pied à terre. Mais il y en a un pour qui le parcours ne semblait pas complexe, il s'agit de Stéphane Roland du comité de l'Isère. Après avoir fait 15 ans en Fédération Française de Cyclisme, il a décidé de s'engager en UFOLEP et dès sa première année, il décroche le titre national. Je suis tranquille, mais bon, il a quand même fallu que je gère la course du début à la fin. Je suis parti, on était trois, on s'est vite retrouvé à trois au milieu de parcours. Après, c'est vrai que j'ai lancé une petite attaque, je me suis retrouvé tout seul, j'ai essayé de gérer. Le dernier tour, très difficile. Donc je suis content de ma course, je ne m'attendais pas du tout à gagner aujourd'hui. Je pensais faire un bon résultat, mais je pensais vraiment pas la gagner. La prochaine édition du National VTT se déroulera dans les Vosges. Nul doute qu'encore une fois, l'éco-citoyenneté et sport seront les principales préoccupations de l'UFOLEP et des VTTistes.